Bonjour, si vous êtes souvent assis et que vous avez des tensions au niveau du bas du dos, eh bien je vous propose un exercice d'automassage avec une petite balle. Mais avant, je me présente rapidement, je suis Fabien G, fondateur de Roule sur la forme, des programmes d'entraînement pour améliorer votre mobilité. Dans cet exercice, on va utiliser une petite balle. Ici, j'utilise la Tipeee de chez TriggerPunt, vraiment que je vous conseille. On a une surface en mousse qui est vraiment très agréable. C'est une balle assez soft et c'est vraiment très confortable de travailler avec. On est parti. Alors, vous allez situer votre muscle, donc on va travailler le muscle du fessier. On va travailler exactement le piriforme. C'est un muscle qui peut causer des tensions au niveau du bas du dos. Pour situer le piriforme, c'est très simple, vous allez mettre votre main au niveau de la fesse. Imaginez que c'est une poche de pantalon, vous visualisez le haut de la poche et un peu le bord externe. Vous appuyez ici et on sent qu'on a une petite zone de tension. C'est ici qu'on va poser la balle, hop, juste là. Donc on démarre assis, les jambes fléchies, on place la balle, hop, donc sur le haut de la poche. On vient s'asseoir sur la balle. Donc moi ici, j'ai posé la balle sous ma fesse droite, donc je vais tendre ma jambe droite. On se met bien dessus, on doit sourire hein, ici. Si vous ne souriez pas, c'est que peut-être vous n'êtes pas au bon endroit. On va inspirer, on va soulever la poitrine. Sur l'expiration, on va amener le genou vers la poitrine et allonger tout doucement la jambe. On expire, on amène le genou vers la poitrine et on allonge doucement la jambe. Gardez la poitrine haute, on est bien en appui sur les mains, on souffle. Et on allonge, on expire, profond inspire, on relâche encore, on souffle, on revient tranquillement, donc hop, on est bien, encore. Là ici je décolle le pied, on voit bien que je suis vraiment bien en appui sur la balle. On allonge la jambe, on va rester un peu, hop, on reste, on maintient la position, on respire, simplement inspire. Et souffle, on se détend, on reste bien sur la balle, hop, on laisse vraiment bien la fesse se mouler autour de la balle. Encore, on inspire, on souffle, parfait, on inspire, prochaine expiration, on reprend, amener le genou vers la poitrine, décoller le pied du sol et on allonge. Donc on voit bien que je suis un peu pivoté sur le côté, d'accord, je ne suis pas complètement assis sur la balle, on est un peu sur le côté. Hop, si vous avez bien placé votre balle, normalement vous devriez également pivoter un peu sur le côté. On souffle, on amène le genou vers la poitrine et on allonge. Encore, expire, on revient tranquillement, on souffle. Parfait, on se fait ça une dernière fois, souffle, parfait. Et on allonge. Bien, on change de côté ici. Donc la poche du pantalon, la partie haute de la poche, le bord externe, hop, on appuie un peu, on vient y poser la balle, on vient bien se mettre assis dessus, donc on est bien en appui sur les pieds, je me mets bien assis sur la balle, donc les genoux tournés un peu sur le côté, hop, pour vraiment bien chercher ce muscle, c'est vraiment un muscle profond, hein. On allonge la jambe et on souffle, on amène le genou vers la poitrine, tranquillement, on l'allonge, on souffle. Expirez. On allonge la jambe. Encore. On souffle. Amenez le genou vers la poitrine. On allonge doucement. Soufflez bien. Une dernière fois. Parfait. On reste là. On allonge la jambe et on reste dessus. Hop. On écrase bien la balle avec la fesse. On respire simplement. Toujours bien, on appuie sur les mains, poitrine haute. Hop, on pousse bien, on relâche bien le fessier sur la balle. On souffle et on se détend. Souffle, expirez, parfait. On reprend, on amène le genou vers la poitrine, expire et inspire, on allonge. On souffle. Parfait, encore. Soufflez bien, amenez le genou vers la poitrine. Allongez doucement la jambe, on souffle,
pousser ça encore à peu près deux fois. Expire. Une dernière. Et on relâche. Parfait. Hop, on enlève la balle. Bien, juste derrière, je vous invite à marcher un peu. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet exercice. Alors, il va y avoir un effet immédiat. Normalement, vous devez déjà vous sentir mieux. Si vous avez des petites tensions au niveau du bas du dos, peut-être que ça va aller beaucoup mieux. Essayez de voir comment vous sentez également dans la journée. Parce que ça va être intéressant de voir eh bien, comment on se sent dans la journée suite à cet exercice. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet exercice. Au passage, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez me suivre. C'était Fabien G de Roule sur la forme. Bougez mieux. Vivez bien, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.